Eh bien salut tout le monde, c'est Gimmy pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Forza Horizon 4, tout le monde, avec le fameux, le nouveau machin qui nous ont sorti, le Super Set Horizon, pour cette vidéo du dimanche. Et là, bah écoutez, en fait le Super Set c'est quoi? Ce sont des épreuves conçues par des joueurs, voilà, il y en a 7, il faut les réussir, voilà. Et à la fin, eh ben, on pourrait gagner par exemple cette Koenigsegg CGT. CGT. La Koenigsegg CGT, je connais la CGT, elle serait contente de l'avoir. Mais c'est autre chose. Donc la CGT, que j'ai déjà, donc c'est pas forcément hyper intéressant, mine de rien. Mais bon, je me dis, écoutez, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Forza Horizon 4 sur la chaîne. Il y a possibilité d'en faire. On est sur le Super 7. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, ce sont des épreuves faites par d'autres joueurs, donc ça peut être assez intéressant. On peut voir un peu ce que les gens veulent, hein. Donc, qui sait? Qui sait? N'est-il point? Oula, oula! Ah oui, d'accord. Ça va? Allez, chérie. Ok. Ouf. Allez, c'est parti. Foncez jusqu'à la destination. On va passer par là, comme ça. Par contre, le mec nous a mis du classique. On va couper la radio. Voilà. Je m'occupe des musiques. Alors. Bon, pour l'instant, voilà, je veux juste dire que si l'épreuve, c'est ça, c'est pas ouf. Après, pour avoir fait juste 2 tirages Super 7, là. J'ai vu des épreuves qui franchement en fait où les gens, je sais pas, essayaient de faire du GTA 5 on va dire, du GTA Online, avec vraiment genre des circuits un peu custom qui partent dans les airs avec des figures à faire, ce genre de choses. Assez stylé hein, mine de rien. Mais c'est trop peu, il y a trop peu de trucs fun, et puis pour la plupart du temps, soit les plaques, les pistes sont mal posées, ou alors c'est juste bugué. Il manque des choses. Je pense qu'il manque des outils pour créer de belles pistes. Moi, je suis plus dans cet avis. On va même pas aimer. C'était classique. Voilà, c'est reparti. Oh, il a le chat qui pleure. Magnifique. J'ai cette image. Moi, je fais partie de ces personnes. Vous envoyez un message. Je réponds très peu avec des emojis. J'adore envoyer ce genre d'image. Voilà. Pour moi, ce sont mes emojis à moi. Tu vois. Je trouve ça kiffant. Et puis franchement, faudrait qu'un constructeur de téléphone, s'il vous plaît Apple, faites-le. On puisse créer nos emojis, nos petits trucs, des petites pastilles, et qu'on puisse mettre voilà, des petits mèmes comme ça. Oh, ça serait magnifique. Ça serait vraiment ouf. Mais on n'est pas là pour ça. Donc là, on est avec la Ferrari 599 X. C'est quoi? C'est une FX Evolution. Alors... Est-ce que le mec nous a mis la prépa cheatée du jeu? On verra. Parce que la prépa cheatée du jeu, les gars, bon courage. S'il n'y a pas de ligne droite, bon courage. Ok. Oh là là. Y'a que moi qui soit... sapé. Oh là là. Bon, qu'est-ce que... What? Ah d'accord. Ok. Vers l'infini. Et l'au-delà. Non mais ça va... Putain, Elon Musk. C'est ça qu'il fallait faire. On va où là? Je rêve où l'épreuve fait 15 minutes. C'est bon, on est presque au bout. Oh là là, hey, mais à chaque fois, je manque de me retourner, les gars. Par contre, notons que la Ferrari a quand même une très bonne portance négative. Hein. Oh là là, c'est quoi la fin? Oh! Oh! Qu'est-ce que... Il y a une île là-bas. Hey! Hein? D'accord. Oulala.
Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la fin du jeu? D'accord, c'est où la fin? Pensez jusqu'à la destination. C'est là la destination? La destination, en fait, c'est là-bas. Quand je vous dis, mais franchement, c'est pas possible. Les gens, ils font n'importe quoi. Bon, alors, mon avis sur le Super 7. Est-ce que vraiment je dois donner un avis? Je pense que pour l'instant, on est à ça. Hein. J'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Mais ne soyons pas mauvaise langue, tout le monde. Ne soyons pas mauvaise langue. Peut-être que Lamar Romney va remonter tout ça, va remonter le niveau. En tout cas, on espère. C'est parti. Alors, Oshoeve, oh putain, what the fuck? Gatuit Ultimate Air Skin. Je crois qu'il nous a mis des rampes. Allez, c'est parti. Ouais. Pas mal. C'est pas ouf. Mais pour l'instant, cette épreuve, bah, elle tient le bon bout, les gars. Il y a quelque chose. Il est posé bizarrement ton... Oh putain, ça passe, c'est passé. Attends, il y avait bien un mètre facile où vous pouvez pas passer. Wow. Plus qu'un. Oh, il nous a mis une grande roue. Oh, il s'est chié sur la fin. Ah, le mec, il s'est mis tout donné sur la fin. Ah, les flammes sur le Tivio, par contre, je suis pas pour. Pas pour. Eh ben, écoute, étant donné que pour le moment, tu es le seul mec sérieux de ce tirage, ouais, je vais kiffer. Je vais aimer, mais... Pouh ! Voilà. Bon, quatrième épreuve. Vas-tu le faire ? C'est ce qu'il est en train de nous dire, là, juste en bas. Écoute, ouais, c'est un Suzuki que tu as sur ton image. Bon, allez, on y go. On va voir ce que c'est. Alors, que nous as-tu préparé ? Oula, déjà, ça demande de tourner sévère, non ? Attends, tu veux comme me faire tourner dans une Mustang? Oh. Attends. Ça a pas de volant, une Mustang. On va suivre les panneaux. What the fuck? Ah, nous y voilà, ces fameuses épreuves à la GTA Online. Allez. Oh putain. Ok, et là, comment ça se passe? Ah ouais! Sale chien. Oh là là. Je pense que c'est vraiment le genre d'épreuve où avoir un volant peut être assez pratique. What? C'est... Espèce de petit saligo. Oh, le bâtard, il les a écartés. Espèce de vieux gars. Voilà. Non mais regardez ça! Le mec il les a écartés! Putain, on est pas... Espèce de vieux gars. Ce mec là, je suis sûr, il vote Trump. Allez. Ouf, on a failli tomber. Oh le bâtard. Oh là 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 là, c'est infect. Infect.
rester là. Je rêve où ça se resserre. Mais quelle immense petite power! Ouh! Ok. Non, au moins, il a fait quelque chose. Il y a une certaine recherche. Même s'il y a un petit moment, une petite tricherie. J'aurais peut-être appelé cette série À la recherche de l'épreuve. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un titre, alors. À la recherche. Ça, c'est... Les plus vieux s'en rappelleront, n'est-il point. Allez, c'est parti. 5. Oh non, non. Comment? Non. Over the ramp. Oh non. Non, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh non. Ouais. Over the ramp. D'accord, ouais. Qu'est-ce qui veut que je fasse, quoi? Foncer jusqu'à la destination, pour l'instant. Rien de bon conclu. Ah, c'est le réglage bugué. Ok, le réglage cheaté. Si le mec nous a mis un saut à la fin. Ce qui n'aurait aucun sens, il vient de dire. Oh, d'accord. C'est bugué. J'aurais peut-être dû lâcher l'accélérateur pour refaire décoller la voiture, enfin la débugger. C'était pas la bonne voiture à prendre pour ce genre d'épreuve. Enfin, surtout le réglage à prendre. J'imagine que j'étais censé arriver là-bas en saut, c'est ça? Ça aurait pu être beau. Oh! Allez, tiens la voiture. Oula, il y a un arbre qui a... Wow. Bon. Eh ben... Bah, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Ah, il nous a mis du classique. J'ai même pas tilté. J'imagine que je ne pourrais pas mettre de musique... avec le montage par-dessus, sinon ça donnera un truc dégueulasse. Ne pas aimer. Non, c'était nul. Franchement, je note ces épreuves telle une blonde platine avec un chewing-gum dans la bouche dans une mini. Le... Ah non. Ah non, ça va pas être possible. Non. Non. Oh, ce stéréotype. Ah, si seulement il était pas fou. Bon, alors... Rimac Concept 2. J'espère que je vais pouvoir tourner. Non, je rigole. Pour toi, Richard. En dessous des 20 minutes. Tu sais que 20 minutes, c'est un épisode. Alors, en dessous des 20 minutes, j'imagine qu'on va réussir à le faire en moins de 20 minutes. Mais c'est un épisode, frérot. C'est... même 16, tu vois. C'est chiant. C'est chiant. En dessous des 20 minutes, il s'est trompé, c'est 20 secondes. 6 km. Alors, ça patine, c'est... Tu coupes la musique. Tu coupes. Aïe. Waouh, il a mis de la déco et tout. Par contre, attention, la Rimac, mon gars. La Rimac, elle plaisante pas. Par la puissance de l'électrique. Il y a des T-Rex. Il y a un saut. Putain, un saut qui marche. What the fuck, c'est quoi ça? Ah, oh, il nous avait mis des petits trucs sur la route. Non mais attends, je veux faire. Oh, le drift en électrique. Si vous avez une Tesla Model 3 propulsion, allez-y, s'il vous plaît. Faites-moi essayer, s'il vous plaît. Moi, j'ai plus qu'essayer la dual motor, malheureusement. Bon, allez, on va essayer ça. Mais je vais trop vite pour aller dessus, je suis un Rimac. Je suis pas en BM. J'abandonne. J'ai trop de couple, mon gars, je suis en électrique. Je peux pas monter dessus, il faut que j'effleure la gâchette. Oh là là, mais quelle vitesse!
Oh, c'est Trimac. Oh là là. En fait, c'est dommage, on peut pas donner de points, genre une notation sur 10. C'est ça qu'il faudrait peut-être... Wow, il y a des poteaux. Faudrait peut-être faire ça, en fait. Une notation sur 10 au lieu de mettre j'aime pas, tu vois. C'est pas ouf. Parce que là, par exemple, la map, clairement, il aurait pas un 10. Je pense qu'il aurait un 4. Pour l'effort. Un 4. Mais tu vois, il a essayé de mettre des trucs. Il a mis un jump. Le jump qui fonctionne. Voilà. Il a mis un truc sur la route, un semblant de structure. Voilà, un semblant de structure. Mais la volonté est là. Il a un petit peu de déco aussi, hein, mine de rien. Il a mis des trucs sur la route et tout. C'est plutôt pas mal. C'est pas dégueulasse. Moi, j'aime bien. Voilà. Mais il y a plus de déco que d'action, si tu vois ce que je veux dire. Un 4. 4 sur 10. Voilà. Putain, faut pas que je sois prof, les gars. Alors, Yit. Ça me rappelle. Ok, j'ai la ref. Ok, 49 secondes. Qu'est-ce que tu nous as fait comme épreuve, Philly? Impossible de rejoindre la session. Ah, ça, c'est un bug. C'est un peu courant, ça. Ça se trouve, c'est derrière nous. Genre, tu tournes la caméra, c'est derrière. C'est pas derrière. 49 secondes. Ah. Oh. Bah, ça va. Ok. Oh le bâtard. Accélère, MJ. S'il te plaît. Vite. Oh, petit saut sur la fin. Petit point sur la fin. Franchement, c'est pas dégueu. Le petit saut sur la fin, là. Pas mal. Bon, épreuve 49 secondes. On part sur un... Il y aurait 6 sur 10. Voilà. 6 sur 10. Bah, on était au milieu du festival, donc il y avait de la déco. Donc niveau œil, c'était pas mal. Voilà. L'épreuve, il y avait un semblant de virage. Il y avait un virage, ouais, vite fait. J'ai freiné. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des sauts. Voilà. Il y avait des sauts. Pas buggés. Notons ça. 5 sur 10, en fait. Voilà. Allez, on redémarre. Peut-être pour une prochaine vidéo, qui sait. Bye tout le monde. C'était Kimi. Prenez soin de vous.